Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette Morgan Roadster V6 équipée du moteur Ford 3 litres. Allons voir ça. Admirez ici la configuration. Donc pour cette carrosserie ivoire, Sports White ou Old English White, le nom officiel étant Sports White pour Morgan. Bon, c'est un blanc cassé, c'est un blanc crème. Avec les jantes 16 pouces, caractéristiques des roadsters, la double ligne d'échappement chromée inox, le double porte-bagages également, les doubles baguettes de marchepied, avec les rétroviseurs extérieurs ronds, les trois essuie-glaces sur le pare-brise, les butoirs avant de pare-choc également arrière. Ce qui est joli également, vous voyez, c'est ce liseré de finition rouge, son passepoil, on va dire, bordeaux, qui est entre la calandre et les ailes, entre les marchepieds qui sont aussi les ailes et la caisse, puis entre les ailes arrière et la caisse. Je trouve que ça fait un petit degré de finition qui va merveilleusement avec l'intérieur de cette Morgan. Donc capote mohair bordeaux, nouveau système de capote, on le voit ici, et avec le nouveau joint. Ici sur l'intérieur, donc avec les sièges sport donc inclinables, les appuie-têtes. On retrouvera également ici les rangements dans les portes. Voilà, on retrouvera ici, je vais y arriver. Voilà, une petite lampe lecteur de cartes. On retrouvera un coffre marchepied pour ranger des affaires, une radio CD installée, tableau de bord bois. Voilà, avec la télécommande de la radio à l'intérieur. Voilà. Ici, ce qui est joli, c'est, vous voyez, ces compteurs. Finalement, le compteur Smith a trois fonctions. Avec le niveau de carburant, pression d'huile, température d'eau. C'est un classique et un clin d'œil à l'histoire de Morgan, puisque les Morgan anciennes avaient déjà un combiné trois fonctions Smith. Les boutons de ventilation, de chauffage, le bouton qui actionne ici la climatisation, c'est une option sur cette Morgan. Compteur de vitesse, ici. Donc 23 673 km. Vous retrouverez ici les caches combinateurs garnis de cuir, le volant bois, le moyeu, les pare-soleil garnis de cuir, le plus bel effet, pas de faute de goût, les caches traverses en inox. Superbe. On retrouvera ici les accessoires donnés avec la voiture, donc les vitres également, le sac de side screen qui permet de ranger les vitres, puis le couvre-capote, voilà, logoté Morgan qui lui est en PVC. Voilà. Allons voir également le compartiment moteur, le moteur donc V6 3 litres Ford. Propreté générale de la mécanique en résulte, pas grand chose à dire. On a évidemment lavé cette auto, mais elle est en magnifique état. Voilà. Ici, le bocal de lave-glace avec sa pompe. Ici, le petit thermostat, vous voyez, pour régler le compresseur de climatisation. Enfin, c'est là. Brûler la sonde, son anti-givre. Hop, on referme. On va aller voir également de l'autre côté, en commençant par la partie arrière, ensuite la partie avant. Voilà. Même constat, propreté générale de l'ensemble du compartiment.
Et si on voit une particularité, c'est que l'auto est équipée, vous voyez, de ces tuyaux de climatisation. Voilà. Donc, un petit peu de produit de nettoyage ici, il faut qu'on nettoie. Voilà. Mais c'est vraiment très propre. Tout du véhicule en position capotée, configuration vraiment très élégante. Vous voyez cette capote en mohair Bordeaux, qui est neuve, avec, vous voyez, les passepoils Bordeaux sur la carrosserie. Et bien l'assortiment, la combinaison de couleurs est vraiment d'une élégance folle. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan V6, donc 3 litres. Il fait beau, 12 degrés l'après-midi, 0 le matin, température idéale pour rouler en cabriolet, donc essai décapoté obligatoire. D'ailleurs on n'avait pas le droit de mettre le toit sur une Morgan, c'est interdit. À la limite quand il pleut vraiment fort, mais c'est tout. Ici là, pour démarrer cette 3 litres, vous avez la clé habituelle, Valeo, avec une petite puce transmetteur là-dedans qui permet de couper l'antidémarrage. Et vous retrouverez la jauge à essence, la clé du réservoir d'essence, la clé des portes. Et puis vous retrouvez une petite clé ici, qui est une sorte de boîte à gants cachée au fond du compartiment passager. On peut y ranger des affaires, vous voyez, et fermer à clé. Pour la démarrer, cette V6 3 litres, rien de plus facile. Vous voyez qu'il suffit d'insérer la clé ici dans le contacteur démarrage. Donc c'est sous le tableau de bord. Il y a un petit coup de main à prendre, mais enfin ça se fait assez bien. Premier cran ici pour avoir la position accessoire. Deuxième cran, vous retrouverez le contact général. Vous voyez que vous pouvez avoir le chauffage déjà. Et ensuite il suffit de tourner la clé. Et on a ce V6 3 litres Ford qui vombit immédiatement. Alors quand on est habitué au Morgan, on reconnaît tout de suite un moteur Duratec, d'un moteur GDI, d'un moteur Sigma, d'un moteur comme celui-ci. Ici c'est une sonorité tout à fait particulière, et ce que j'aime dans les 3 litres, c'est que vous avez la tringlerie d'accélérateur qui est connectée directement avec un câble sur le papillon d'ouverture du débitmètre. Et ce qui vous génère, vous voyez, une accélération et un régime de ralenti qui rebaisse assez direct, assez réactif. Sur le 3 litres 7, vous avez tout ça est remplacé par un fil avec des capteurs, et donc vous avez un temps de réponse. Voilà, c'est un côté un petit peu. Là, ça fait un peu plus voiture ancienne, entre guillemets. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller la faire rouler, cette belle. D'accord? Bon, allez, on y va. Alors. J'en ai profité pour m'équiper tout de même. Le frein à main, on le retire. Première vitesse. Il fait grand soleil, c'est vraiment hyper agréable. Donc le clignotant s'actionne comme une voiture normale. Le Komodo se situe sur le côté gauche, vous voyez. Et puis ici, vous avez les essuie-glaces. Premier tour de roue sur cette Morgan V6 3 litres qui n'est pas équipée de la direction assistée. Alors dès qu'on a quelques kilomètres heure d'allure, aucun problème pour tourner les roues. En revanche, il est vrai qu'à l'arrêt, ça va être un petit peu plus difficile. Une direction assistée électrique peut se rajouter, c'est une option qui n'a jamais été proposée sur les 3 litres, mais qui est en after sale, en monte accessoire, peut être installée. Ça va dépendre de vous, entre guillemets. Certains vont préférer la direction franche et directe de la version d'origine. Certains vont vraiment préférer l'assistance électrique. Voilà, ça, c'est un choix un peu personnel. La boîte de vitesse sur les 3 litres est assez ferme, mais les vitesses passent bien. Vous avez une boîte 5 vitesses, donc avec la marche arrière en face de la 5e. L'embrayage est hydraulique. Donc vous avez un émetteur-récepteur d'embrayage.
on entend le porte-bagages qui vibre à l'arrière. Donc on retrouvera devant le tableau de bord, vous voyez ici, une horloge, montre Smith, devant le contour, donc zone rouge, à 6500 tours minute. Ensuite, sur la partie centrale de tableau de bord, c'est très joli, vous avez le compteur kilométrique, et puis ce combiné trifonction, qui est vraiment le symbole des Morgane d'origine, puisque dans les 50, vous aviez déjà ce compteur Smith à trois fonctions, où vous avez la jauge de niveau de carburant, la pression d'huile et la température d'eau. Vous retrouverez également ici en partie centrale donc le bouton de ventilation. Vous voyez, j'ai mis le chauffage extrêmement puissant, j'ai vraiment de l'air chaud dans les jambes, donc on peut rouler décapoté même quand il fait froid à l'extérieur. Ici on trouvera le réglage de la température, et petite cerise sur le gâteau, c'est que cette voiture est équipée de la climatisation, qui vous permet ici, voilà, c'est enclenché, d'avoir la climatisation si vous voulez rouler sur une longue portion en sur route fermée. Voilà, option assez rare sur les Morgane Roadster, voilà, qui est disponible sur celle-ci. Ces Morgane V6 ont remplacé la mythique Morgane Plus 8, parce que Morgane, c'est le côté farfelu des Anglais, avait décidé de mettre un gros moteur dans le châssis de la Morgane. La Plus 8 est née dans les années 60 et a perduré au catalogue jusque 2004 avec un moteur qui était trop vieux, qui ne répondait plus aux normes anti-pollution, et l'auto a été remplacée par la Morgane Roadster, donc qui est équipée ici d'un moteur V6 d'origine Ford, 3 litres de cylindrée, 225 chevaux, boîte 5 vitesses. Vous conservez toujours l'essieu, ce qu'on appelle rigide, à l'arrière, avec les lames de ressort, le fameux pont arrière. Vous avez toujours le vieux châssis, on va dire échelle entre guillemets, en acier galvanisé. Toujours cette suspension avant de Morgane caractéristique qui n'a quasiment pas évolué depuis les années 30. C'est ce qui en fait le charme de ces autos-là, c'est que finalement ici on est sur une auto de 2012, mais on pourrait penser qu'elle est de 1935. Ah, coccinelle en balade, c'est ça qui est sympa dans le milieu des collectionneurs, c'est que on se fait signe, on se salue, on s'entraide en cas de panne. Tour du véhicule en extérieur. Vous voyez à la lumière du soleil, soleil de 16 heures. La combinaison de couleurs de cette Morgane en ivoirie est somptueuse. Avec ses jantes 16 pouces chromées, les petits rétroviseurs chromés, les baguettes de marchepied, le porte-bagages double. La double ligne d'échappement qui est spécifique au Roadster, que ce soit 3 litres ou 3 litres 7. Et ici avec un intérieur qui est assorti, donc avec un intérieur contrasté en cuir, on va dire bordeaux, avec un passepoil ivoire qui se marie très bien à la carrosserie. Vous retrouverez un tableau de bord bois, un volant bois, vous avez une antenne de radio puisque la voiture est équipée de la radio. Voilà. Si, admirez la beauté de son intérieur. Regardez, le siège n'est pas du tout abîmé, pas esquinté. Superbe. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgane Roadster. Premier tour d'aspect général. Hop.
En commençant par le demi-train avant, vous voyez qu'ici l'auto sort de révision, vient de remplacer complètement les bagues de suspension à l'intérieur. Donc tous les axes et ça, tout a été changé, tout est neuf. Les disques de frein sont en parfait état. Le radiateur, rien à dire. Ici le radiateur de clim, le condenseur, rien à dire. Ici on voit, voyez que ça c'est de la graisse cuivrée. Sur les pas de filetage, on a fait la géométrie également. Donc ici, vous voyez les bagues toutes neuves, remplacées. Les pneus également viennent d'être remplacés. Donc là, rien à dire sur le train avant neuf. Ici, on arrive sous le moteur, donc 3 litres Ford. On voit la propreté générale de l'ensemble. Ici, le compresseur de climatisation, option sur cette auto. Pas grand chose à dire, voilà, là, l'ultra huile a été changé. Hop, la vidange a donc été faite, la vidange de la boîte a été faite. Ici, la boîte 5 vitesses. Donc, assez ferme au niveau de la sélection de vitesse. Ici, on arrive sur l'essieu arrière qui fait la caractéristique de Morgan, c'est que vous avez toujours cet essieu rigide à, on le voit ici, lame de ressort avec amortisseur télescopique. On voit ici que ça a été correctement graissé. On sort de la révision, donc là il y a de l'huile qui a été imposée. Ici, on voit que la batterie a été remplacée. Un coupe-batterie a été installé ici. Voilà. Donc ici, les lames de ressort, vous voyez, sont graissées. Voilà, on a contrôlé également les freins arrière. Donc ici, on est sous le réservoir d'essence. Vous voyez, c'est un plancher bois, tout simplement. Voilà, double ligne d'échappement inox. Voilà. On voit ici que le châssis est en acier galvanisé. C'est collant, vous voyez, il y a une scie à l'intérieur un peu collante. Et puis sur l'extérieur, Morgan impose une sorte de couche bitumeuse noire qu'il pulvérise sous le dessous de la voiture. Voilà, donc ça c'est fait, on va dire, d'origine par Morgan. Ils en mettent deux partout, c'est collant, ça colle la poussière. Voilà, et à part, hop, vous voyez qu'ici, les pivots ont été remplacés. Voilà, on retrouvera la double ligne d'échappement avec les catalyseurs et son silencieux juste après. Voilà, ensuite, c'est un tube jusqu'à l'arrière de la voiture. Tour du véhicule ici, en commençant par l'aile arrière droite. Alors, on vient de rouler un peu, une quinzaine de kilomètres, donc. Ça s'enlève. Alors ça, c'est Morgan qui appose la protection anti-corrosion, anti-corps creux, ils en mettent partout. Bon, ça s'enlève. Ici, au niveau de l'état de l'aile, bon, pas grand-chose à dire. Les jantes, ici, on est sur des jantes inox, donc tubeless, c'est-à-dire on n'est pas de chambre à air. Les pneumatiques viennent d'être remplacées, on a mis les pneumatiques comme d'origine, c'est-à-dire les Avon. Les pneus anglais, donc ils sont neufs. Ici, on arrive sur le marchepied, la porte. Ici, il n'y a rien à dire. C'est quoi ça? Bon, la graisse s'enlève. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai regardé, ça s'enlève. Bon, je viens de sortir une chiffonnette du lustrage. Tout est parti, encore un tout petit, mais j'ai pas insisté, donc il faut que là, en lustrant un peu plus fort, il n'y aura aucun problème. Donc là, on vient de rouler, donc il y a un petit peu de poussière de route. Voilà, encore une petite trace. Donc je vais regarder si ça s'enlève. En direct live. Voilà. C'est parti. Donc, plus rien. Ça, c'est pareil, ça s'enlève. Ici, bon, je viens de rouler, donc ça c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit moucheron, ça s'enlève. Un petit appareil de gravier ici, mais comblé déjà avec du styrotouche, donc ça se voit pas. Ici, pareil, on vient de rouler. Peut-être il faudrait que je fasse le tour avant de rouler la voiture. Partie avant, donc ici les butoirs. Parfait état, le phare, tout ça c'est impeccable. La voiture est équipée d'une barre porte-badge, vous pouvez mettre des badges ici de votre club. Donc ici, un grillage de calandre.
ici de la face orange. Donc là il y a un éclat de gravier ici comblé par du style retouche, franchement ça se voit pas. Ici il y a un éclat de gravier ici juste en partie intérieure comblé déjà par du style retouche, ça se voit pas même quand on est devant. Là il y en a un petit aussi là. Hop, donc tout ça c'est bon. Bon, les pneus on en a parlé, les freins, les jantes, tout ça, on a changé tous les pneus évidemment, y compris ce court. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? On va regarder ensemble, chercher mon chiffon. Donc ici, bon, j'ai à peine frotté un tout petit peu, on voit très, c'est quelque chose, comme un gravier hein, qui a paf, légère marque, ça on peut encore l'atténuer. Bon, c'est très léger, même en étant devant, on le voit à peine. Voici tout ça, vous voyez, ça s'enlève, c'est des petites traces de chaussures. Tout ça, ça s'enlève. Voilà. Donc là, vous avez un éclat ici de gravier fait avec une chaussure. Donc pas un éclat de gravier, mais un éclat sans doute de chaussure qui était comblé par du stylo retouche. Voilà. Bon, ça, ça s'enlève. Hein. Vous voyez, on frotte à peine avec. Hein. Vous voyez, ça part tout de suite. Voilà. Oui, donc ça, aucun problème. Ici, un petit éclat ici, un petit éclat ici, c'est tout. On vient de rouler, donc c'est un peu sale, mais rien, aucun problème. Sur la face arrière, donc les butoirs sont en parfait état. Éclairage de plaque, vous avez le diffuseur arrière avec l'anti-brouillard, feu de recul. Ici, tout est en magnifique état, vraiment. Tour du véhicule en partie supérieure. Donc, je cherche avec vous le moindre petit défaut. Surtout regardez le pare-brise, là, je vois rien. Tac. Alors ici, ce qui est très sympa, si vous voyez que le siège, souvent quand on rentre dans une Morgane, c'est abîmé ici. Et là, ça n'est pas du tout abîmé. Et ça n'a pas été reteinté, là, c'est d'origine. Voilà, par contre, on a une légère trace de frottement ici sur cette petite arête-là, qu'on peut ou corriger ou mettre un petit accessoire inox, protège entrée. Donc là, aucun problème. Ici, une petite griffure légère, genre un truc qui a frotté, c'est rien ça. Hop. Ici, le volant, bah, comme d'habitude, je vous montrerai, mais quand on manipule la capote, on peut le laisser tomber. Donc là, évidemment, il y a une marque sur le bois, ici. La capote, elle, est neuve, on vient de la faire changer. Elle avait été mal pliée, elle était abîmée, due à son pliage. Je vous montrerai ça. Donc là, la capote est neuve. Ici, je vous montre le défaut qu'il y a, c'est qu'ici, ça c'est le montant, et il avait mal plié sa capote, et en roulant, ça c'est venu déchirer un petit peu ça. Alors ça se voit pas en pratique, ni quand on est à l'intérieur, ni parce que quand on roule, parce que ça s'est rabattu par-dessus, et puis sinon il y a même le couvre-capote, mais voilà, je vous le signale. Ici sur la partie siège, vous voyez ici, pareil, le bourrelet n'a pas abîmé, l'assise, vous voyez, c'est pas abîmé, c'est frais, tout est magnifique. Franchement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les moquettes sont pas abîmées. Ici, le tableau de bord, le bois, rien à dire. Compteur, là, tout est beau. Ici, je vous le signale, l'ancien propriétaire avait mis ici un espèce de dispositif GPS fixé. Ça affiche, je l'ai enlevé parce que c'était trop moche. Bon, ça fait quand même une petite marque. Je ne sais pas si ça on peut le revoir dans le temps, si ça peut se détendre avec le soleil dans le temps. Bon, en tout cas, il y a une petite marque. Ici, c'est quoi ça? Non. Hop, porcelaine de cuir, le pare-brise, c'est parfait. Voilà, partie supérieure. Tac, 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 tac. Pas grand chose à dire de plus, quelques légers et têtes d'épingle de gravillon.
Et puis quelques légères petites marques d'usage, voilà, le volant, petit truc là, mais c'est rien. Voilà, c'est tout pour la partie intérieure et extérieure de cette Morgan Roadster V6. Nous terminons la présentation de cette Morgan Roadster V6 3 litres. Honnêtement, ce qui nous a séduit, c'est tout d'abord la combinaison de couleurs. Old English White ou Ivoire ou Sports White, le nom officiel, on va dire blanc cassé. C'est une couleur qui va merveilleusement à la ligne de la Morgan. C'est un grand classique, comme le vert anglais, c'est un grand classique. Et ce qui est intéressant, c'est de contraster cet extérieur ivoire avec un intérieur, en général, rouge, framboise, sur cette couleur extérieure ivoire. L'assortiment, l'assemblage va vraiment très bien. C'est le cas de celle-ci, avec notamment le petit passepoil sur le ivoire qui rappelle la carrosserie sur les sièges, le tableau de bord bois, le volant bois, la capote en mohair bordeaux comme le reste de la voiture. Ça, c'est vraiment, on va dire, une configuration qui est somptueuse. L'auto n'a que 23 500 km, elle sort de révision, les pneus sont neufs, voilà, plus qu'à partir avec la belle et profiter du soleil, des beaux jours. C'est la dernière année de construction du modèle 3 litres, donc avant le remplacement par le modèle Cyclone 3 litres 7. C'est donc la plus récente possible de ce moteur 3 litres avec notamment l'accélérateur qui est directement fixé avec un câble. Ça change le répondant de la pédale et l'agrément, on va dire. La puissance est nettement suffisante pour le châssis d'une Morgan qui est le même que sur toutes les Morgan. Cette voiture, elle est incroyable à rouler. N'hésitez pas à venir quand vous voulez à la galerie, ce sera avec grand plaisir qu'on vous la montrera. Et puis on partira en essai si vous le souhaitez. On est tout de suite sur les routes de campagne, facile pour en profiter. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à venir, à bientôt, au revoir.